Yo, salut à tous, c'est Locan pour Locan.fr. Aujourd'hui, déballage de l'iPhone 7 Plus. Enfin, c'est pas trop tôt, il vient d'arriver à l'instant. Donc, on va essayer de sortir ça sans trop galérer. Alors, normalement, il faut ouvrir, blablabla. J'ai pas envie d'aller plus loin que ça. On va se le faire rapide. Enfin, du moins, on va essayer. Clac. Hop là! Here is the iPhone 7 Plus. Oh my god! Il est trop classe. Je suis super fan. Donc, c'est un modèle 256 Go. J'espère que vous avez une mise au point. Voilà, c'est un modèle 256 Go, un iPhone 6 Plus noir, pas noir de jet, noir tout court. On va se servir. Alors, le déballage se fait sur le lit parce qu'il y a des artisans en bas chez les voisins. Ça fait un bordel énorme, vous les entendez même ici. Parce que ces gens sont des gros. Enfin voilà, bref, on va pas râler. Apparemment, il y a ceci. Hey! Sexy! Même plus besoin de couteau. Super classe, les gars! Putain, ça c'est bien, ça c'est vraiment cool. Donc on ouvre la boîte, ça va être un déballage super rapide, hein. Vous en avez déjà vu 50 sur internet, etc. À l'intérieur de la boîte, quoi qu'on a, on a les petits manuels avec les autocollants, etc. Les trucs habituels, je suppose. On a l'iPhone 7 Plus, qui est putain de plus lourd que l'autre. Normal, la batterie est plus grosse. Oui, j'ai des fonds d'écran sympas. Et qui est classe, et qui est classe. Donc on va ouvrir ça. Comme ceci, j'en étais sûr que les artisans viendraient me casser les couilles maintenant. Vous allez attendre, tant pis. Voici donc l'iPhone 7 Plus, clac, très classe. Je vais mettre ça en silencieux parce qu'ils vont pas tarder à appeler dessus. Dessous, on a le chargeur, on a les Lightning, les écouteurs Lightning, les AirPods, pardon, Lightning, et on a l'adaptateur jack 3,5. Ça, c'est très bien qu'Apple l'ait inclus dedans. Désolé pour la mise au point, c'est très bien qu'Apple l'ait inclus dedans, vraiment. Et on a ensuite le chargeur Lightning classique. Rien de fou là-dessus, c'était juste un déballage pour vous montrer à quoi ça ressemble. Je configure tout ça. Alors évidemment, quand vous allez migrer votre Apple Watch de l'ancien téléphone sur le nouveau téléphone, il faut supprimer l'Apple Watch de l'ancien téléphone, faire la sauvegarde iCloud de l'ancien téléphone avant de rapatrier la sauvegarde sur celui-ci. Il est vraiment très classe, le gris est vraiment gris, regardez la différence. C'est, hop, une petite mise au point. C'est super classe. Des gros bisous!